चर चर पर milliers de monde à Grand Bassin pour l'occasion suivre la pluie. Est-ce qu'il est important de faire sa pèlerinage? Donc, pour réaliser, t'as pas pour vous allez même, vous allez. T'as pas pour qu'on chante pas pèlerinage à l'extérieur. Quand on vit qu'on chante, quand on gagne sagesse, pèlerinage pour l'intérieur, à ce moment-là, vous choisir, vous pas aller, vous allez, vous allez. Mais ce qui vous voulez, pèlerinage à l'air en temps. Et pèlerinage en déo, il passe en danger, il passe en conscience, il passe en esprit, il passe en décœur. Les papos, pèlerinage intérieur, ils transforment lesquels, ils transforment l'esprit, ils transforment tout. Ils font au vide Shiva, ils font une expérience Shiva. Les là, on ne peut pas dire Shiva au vent. Shiva au vent. On ne peut pas dire Shiva au vent, Shiva au vent. Quelque chose de pèlerinage extérieur, il n'y a pas de sens. Absolument pas de sens. Si vous avez décidé d'aller en pèlerinage extérieur, vous allez en pèlerinage extérieur, on ne l'a plusieurs fois, on est pèlerinage intérieur. Et ça, vous avez une attitude de respect. Une attitude dévotionnelle, ou vous êtes un discipliné, ou vous pouvez relax, ou vous pouvez causer rien, plein de problèmes dans rien ça. Mais il ne faut pas parler de tamassa, il ne faut pas parler de badinage, ou bien de disco, il ne faut pas parler de niveau de ça, ou bien de verbondir, ou bien de place sacrée, ou bien de place où tout le monde brille, des milliers de monde brille, ou bien de symbole pour dire, mais ça respecte qui vous êtes là, ça calme l'esprit que vous êtes là, ça. Responsabilité que vous avez là, et ça, je vous donne un exemple. Kawal, sa signification, c'est ça. Je ne sais pas si c'est un peu Kawal. Kawal, les bisous, elle a une forme, ça vient dans le livre, pour dire comment forme Kawal était, les bisous, comme ça, ça. Allez là, elle a Kawal, bisous, comme ça. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qui veut dire comme ça? Kawadra symbolise le chemin du midi dans la vie. Il symbolise que you have to avoid extremes. Et Kawadra, si vous mettez trop bas devant, c'est pas bon. Il est tombé. Si vous mettez trop bas, il n'est pas tombé. Ou bien le 10. Mais où boit dans la vie? The way that you carry in life. Mais là, pourquoi le way que vous carry? Mais il est 10. Il n'est pas trop. Le trop, oui. Parce que vous avez un grand Kawadra, vous avez un Shiva là. Puis ça y est B, puis ça y est ouais, à faire tout ça y est avion. Mais non, tout le reste qu'avant de servir, makes no sense.